La cèpe nous vient des Vikings. Eh oui, contrairement à ce qu'on pense, certes, la maladie a été décrite de façon précise durant la seconde moitié du 19e siècle par le docteur Charcot, mais on en retrouve des traces. La maladie serait apparue avant le 11e siècle en Scandinavie. Elle se serait répandue au fur et à mesure des invasions et des conquêtes des Vikings. Pendant l'époque médiévale, deux cas principaux sont évocateurs d'une sclérose en plaques. L'un concerne une Hollandaise née en 1380. L'autre est celui d'une jeune Islandaise dénommée Alla la Viking. Ensuite, à partir de 1866, Jean-Martin Charcot et son collègue Alfred Vulpian apportent une description précise, à la fois sur le plan clinique et anatomique, de la maladie. La maladie débute en décembre 1822 par une boiterie à la suite de l'enterrement d'un ami en Écosse. Dans les jours qui suivent, apparaissent d'importants troubles de la vue, au point qu'il doit se faire lire le courrier par un secrétaire. Après quelques semaines, la vision récupère totalement. Aucun suivi ou traitement particulier n'est noté. Pendant les années 1825 et 1826, il signale à plusieurs reprises des taches noires flottant devant les yeux. Étant donné la durée brève de ses troubles, les médecins jugent que la vue n'est pas en danger. En 1827, il écrit « À Florence, j'ai commencé à avoir la vue trouble. Aux environs du 6 novembre, la maladie s'est aggravée à tel point que je voyais tous les objets en double. Chaque œil avait sa propre vision. » En Italie, en 1828, il signale que, malgré un besoin pressant, il est parfois incapable d'uriner. Les médecins attribuent ces difficultés à un rétrécissement des voies naturelles. En 1829, les troubles de sensibilité s'étendent à la face postérieure des cuisses et des jambes, et Auguste d'Este perd parfois les selles. En 1830, il remarque qu'il est devenu impuissant. Le traitement préconisé est celui de l'introduction de bougies et d'un cathéter métallique dans l'urètre, suivi d'un traitement par courant électrique. En 1833, il écrit « Chaque jour, je sens que mes forces m'abandonnent progressivement. » Je l'ai clairement perçu lorsque chaque jour je montais et descendais les escaliers. Vers le 4 décembre, les forces de mes jambes m'ont quitté, et par deux fois, je me suis retrouvé par terre. En 1844 est posé le diagnostic de paraplégie organique ou fonctionnelle. Ce témoignage ne vous fait penser à rien. Moi, ça me rappelle ma période d'errance médicale, où je passais de doc en doc, pour savoir ce dont je souffrais. Personne ne trouvait ce que j'avais. On me sortait des diagnostics, tous les plus ou moins rocambolesques, comme le fait que j'étais maigre, c'est pour ça que je tombais. Et j'avoue que ça m'a fait bizarre de lire ce témoignage où je me disais, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était la sclérose en plaques. Et pourtant, il y avait des gens qui en souffraient déjà. Donc voilà, l'histoire de la sclérose en plaques remonte aux Vikings. Ce sont eux qui auraient répandu la maladie au fur et à mesure des invasions et des conquêtes.